Merci d'être venu pour cette 9e conférence de l'État citoyen. Nous avons le plaisir et l'avantage de recevoir ce soir Paul Ariès, qu'on ne présente plus, pratiquement plus, politologue, essayiste, objecteur de croissance, directeur de l'Observatoire international de la gratuité, et qui va nous parler ce soir de la gratuité, puisque l'intitulé de la conférence est « Vers une société de la gratuité ». Voilà, je vous rappelle pour mémoire que notre association organise chaque semaine des ateliers débats, qui sont bien un petit peu en déclinaison des conférences mensuelles, un atelier débat sur la décroissance et un atelier débat sur la Constitution qui se déroule pas loin d'ici à la maison Bertie-Albrecht les jeudis de 18h à 22h. Voilà, je laisse maintenant la parole à Paul pour une heure et demie sur la gratuité. Une heure et quart. Bonsoir, je vous remercie de votre présence. J'assume totalement ma double casquette, celle du politologue spécialiste de l'alimentation et celle du citoyen engagé. J'ai été pendant de longues années président pour la France d'une toute petite ONG, le Centre Europe Tiers-Monde, dont la devise est « il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». Et au titre de cette ONG et de quelques autres, j'étais à la Commission des droits de l'homme de l'ONU où je m'occupais plus particulièrement de la question du droit à l'alimentation. Ce soir, je vous parle davantage en tant qu'animateur de l'Observatoire international de la gratuité. Et nous avons lancé avec cet observatoire ce qu'on appelle une mobilisation continue en faveur de la gratuité avec trois temps forts. Le premier temps fort, c'était la publication début septembre du livre manifeste « Gratuité versus capitalisme » et qui est une sorte d'état des lieux de toutes les formes de gratuité existantes et à venir. Le deuxième temps fort, c'était le lancement début octobre, via notamment le monde diplomatique, d'un appel international qui s'intitule « Vers une civilisation de la gratuité ». Alors en parlant de civilisation de la gratuité, on plaçait volontairement la barre très haut. Et c'est sans doute d'ailleurs pour cette raison que cet appel a connu immédiatement un grand succès, puisqu'il a été signé par les chefs de file de l'ensemble des familles des gauches, je dis bien des gauches au pluriel, de l'écologie, de l'altermondialisme. Le troisième temps fort de cette mobilisation continue, c'était la réunion à Lyon, le 5 janvier, du deuxième forum international de la gratuité qui a permis de réunir jusqu'au lendemain des fêtes presque 500 personnes pour parler de gratuité venant de l'ensemble de la France. Et je dirais maintenant, le débat sur la gratuité nous échappe et c'est très bien. L'objectif, c'est de multiplier les états généraux décentralisé de la gratuité pour mettre cette question de la gratuité au cœur des prochaines élections municipales en 2020. Mais ce débat sur la gratuité existe également à l'étranger. J'étais il y a quelques jours au Luxembourg, puisque le gouvernement du Luxembourg, qui pourtant à première vue est peu, je dirais, orienté vers ce type de réflexion, a décidé de rendre tous les transports en commun gratuits à partir de 2020. Le poète Paul Valéry disait que toute civilisation est mortelle et la nôtre ne fait pas exception. Tout le monde sait en effet que nous allons dans le mur. Mais il y a d'abord ceux qui pensent qu'il serait possible de sauter par-dessus le mur, c'est-à-dire d'aller dans la même logique mais encore plus loin. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène transhumaniste. L'anthropocène, c'est tout simplement la volonté de développer les modifications artificielles du climat. Et le transhumanisme, c'est cette idée que l'humanité telle que nous sommes, avec nos limites, nos faiblesses, ne serait plus à la hauteur
des besoins du capitalisme et qu'il faudrait aller vers un humain augmenté. Alors je fais, avec beaucoup d'autres, le pari d'un autre dépassement du capitalisme, et pour nous la solution est du côté de la démarchandisation. Et ce débat sur la gratuité est faussé si on ne comprend pas qu'il peut s'agir d'une issue de secours face à l'effondrement écologique qui vient. Et c'est à ce niveau-là que j'entends me situer. Et ce projet de glissement vers une civilisation de la gratuité est fondé à la fois sur une bonne nouvelle et sur une mauvaise nouvelle. Donc la mauvaise nouvelle, bien sûr, c'est que si nous ne sommes pas rapidement à la hauteur des enjeux, c'est les solutions du 1% des puissants qui vont s'imposer. La bonne nouvelle, elle est déjà économique. C'est que la planète est bien assez riche pour permettre à 8 milliards d'humains de vivre bien. Et rappelez-vous les deux chiffres que ne cesse de rappeler l'ONU, il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. 30 milliards de dollars et plus personne ne meurt de faim. L'ONU ajoute que si on mobilisait 70 milliards de dollars, toujours pendant 25 ans, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors rassurez-vous ou inquiétez-vous, mais ces 30 ou ces 70 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, 1600 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, 780 milliards de dollars. Le produit international criminel, l'argent sale, 1000 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 10 à 15% de l'économie mondiale, à comparer au même pas 1% qu'on concède pour ce qu'on appelle l'aide au développement. Et le seul gaspillage alimentaire nord-américain, États-Unis et Canada, c'est 100 milliards de dollars par an, trois fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. Donc on le voit, ce n'est pas un problème de moyens économiques, c'est une question politique. Qu'est-ce qu'on produit, comment et pour qui? Et ma bonne nouvelle, elle a aussi un fondement idéologique. Ce fondement idéologique, c'est que les 99% que nous sommes, nous n'aspirons pas à vivre à la façon des 1%. Rappelez-vous, il y a quelques années, Jacques Séguéla, le grand publicitaire du système, qui disait que si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Je lui avais répondu à l'époque que j'avais bientôt 55 ans, maintenant j'en ai un peu plus, mais que j'avais toujours pas de montre de luxe. Et c'était pas d'abord parce que j'en avais pas les moyens financiers, c'est parce que j'en avais pas le désir. Sauf que les puissants n'arrivent même pas à imaginer qu'on puisse avoir d'autres désirs qu'eux. Je dirais que l'alternative à la société du toujours plus, l'alternative à la marchandisation de tout ce qui peut l'être, elle est à chercher du côté d'un foisonnement d'initiatives. Et beaucoup cherchent aujourd'hui cette alternative du côté d'un revenu universel inconditionnel. Le projet que je porte d'une gratuité, c'est finalement celui d'un revenu universel démonétarisé, c'est-à-dire donné sous forme de liberté d'accès à des biens communs, à des services publics. Et la gratuité me semble à la fois plus réaliste que le revenu universel, puisqu'elle coûte en moyenne 6 fois plus, moins cher. L'Observatoire international de la gratuité avait chiffré, nous on est arrivé à presque 5 fois moins cher, et le laboratoire d'économie de l'Université d'Oxford a confirmé et amplifié nos travaux en disant que pour les mêmes biens sociaux, la gratuité coûterait 6 fois moins cher qu'un revenu universel. Et puis je crois que la gratuité est également beaucoup plus émancipatoire, car elle commence déjà à démarchandiser, à démonétariser, à déséconomiser nos existences. Et puis rien n'empêcherait qu'un revenu universel monétaire soit utilisé pour acheter de mauvais produits sur le plan écologique ou social à
alors que la définition des besoins dans le cadre de la gratuité repose sur la démocratie participative, sur l'implication citoyenne. Mais il n'y a pas d'antinomie entre les partisans du revenu universel, du salaire socialisé à la Bernard Friot ou l'appel à la civilisation de la gratuité. La gratuité, ce n'est pas toute la réponse à la crise systémique actuelle, mais la gratuité, elle va nous permettre notamment de penser ce qu'on pourrait appeler une écologie des revenus qui est à construire. Cette écologie des revenus, elle doit avoir bien sûr un plancher, cette gratuité, et elle doit avoir aussi un plafond, c'est-à-dire un montant maximum de revenus et de patrimoine. Au-dessus d'un certain montant, on prend tout. Cette gratuité, elle est fondée sur l'idée d'une société qui reconnaît la centralité des biens communs et des services publics. Alors je ferai l'inventaire des formes de gratuité existantes, mais avant tout, je voudrais faire deux remarques préliminaires. La première, c'est que je n'ai pas le fétichisme du vocabulaire. Et si vous n'aimez pas le terme de gratuité, vous pouvez parler à la façon des Nord-Américains de liberté d'accès ou parler de bien commun inconditionnel. Je n'ai pas cependant choisi le terme de gratuité par hasard, puisqu'il nous est offert par l'histoire et par la mémoire collective. La deuxième remarque préliminaire, c'est que lorsque je parle de gratuité, il s'agit toujours d'une gratuité construite. La banderole à la tribune lors du Forum national de la gratuité, c'était construire la gratuité. Et ce terme de construction est essentiel. C'est-à-dire qu'il s'agit de construire cette gratuité dans tous les domaines. Déjà, bien sûr, économiquement. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts. La gratuité, ce n'est pas le produit ou le service débarrassé du coût, mais du prix. Mais cette gratuité, elle est également à construire sur le plan social, culturel, politique. Et je voudrais évoquer rapidement trois grands principes qui constituent pour nous les principales règles, la grammaire de ce que pourrait être une politique de la gratuité. Première règle, c'est qu'il n'y a pas de biens et de services qui seraient par nature marchands et d'autres gratuits. J'ai débattu pendant plus de 10 ans avec Danielle Mitterrand, lorsqu'elle était responsable de la Fondation France Liberté, à ce sujet. Danielle Mitterrand considérait qu'il fallait absolument commencer ce combat par la gratuité de l'eau vitale. Et bien sûr, la gratuité de l'eau vitale, c'est essentiel, mais la gratuité des bacs à sable également. Et j'ajouterais que je préfère parler de gratuité de l'eau élémentaire plutôt que de gratuité de l'eau vitale, puisqu'il ne s'agit sûrement pas d'enfermer la gratuité dans le domaine de la survie biologique, mais d'en faire une conception de la société à part entière. Et je dirais, ce qui est important aujourd'hui, c'est de multiplier les îlots de gratuité, qu'il s'agisse de l'eau élémentaire, qu'il s'agisse des transports en commun, des services culturels ou funéraires, qu'il s'agisse de la restauration scolaire, du logement social, ou qu'il s'agisse simplement des bacs à fleurs et des bacs à sable. La deuxième règle, c'est que si toutes les dimensions de l'existence peuvent être gratuites, il ne s'agit sûrement pas de rendre tout gratuit dans chacun de ces domaines. Et pas d'abord par réalisme économique, mais tout simplement parce que la gratuité doit être mise au projet, au service d'un projet de civilisation. C'est-à-dire que cette gratuité doit servir à aller vers une société plus égalitaire, à assurer la transition écologique et à permettre l'implication citoyenne. Et c'est la raison pour laquelle l'Observatoire international de la gratuité propose un nouveau paradigme.
qui est celui de la gratuité, du bon usage, face au renchérissement et parfois l'interdiction du mésusage. Bon usage, mésusage, ça peut sembler compliqué, en fait c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'on paye notre eau le même prix pour faire notre ménage et pour remplir notre piscine privée? Et ce qui vaut pour l'eau doit valoir pour l'ensemble des biens communs et des services publics. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à différencier les produits et les services en fonction de leur utilité sociale et en fonction de leur teneur écologique. On le voit, il n'y a pas de bonne définition a priori de ce que serait un bon ou un mauvais usage. La seule définition, elle est citoyenne. C'est ce que les gens choisissent. Et pour avoir animé depuis quelques années plus d'une centaine de réunions sur la gratuité de l'eau élémentaire, je peux vous assurer que les gens font spontanément très bien la différence entre ce qu'on pourrait appeler un usage normal de l'eau et son gaspillage. Ils font très bien la différence lorsqu'on les interpelle en tant que citoyens, en tant qu'usagers, mais sans doute beaucoup moins lorsqu'ils se pensent simplement en termes de consommateurs. La troisième règle est tout aussi importante à mes yeux. C'est qu'il ne s'agit sûrement pas de rendre gratuit ce qui existe, les produits et les services tels qu'ils existent. C'est-à-dire que la gratuité des transports en commun, dont on parlera dans un moment, c'est pas simplement le fait de supprimer la billetterie. Il s'agit d'utiliser la gratuité pour repenser les services publics, pour repenser les biens communs au service du type de société que l'on souhaite développer. L'enjeu pour moi, c'est de multiplier ces îlots de gratuité, avec l'espoir que demain matin, ils deviennent des archipels et après-demain, de nouveaux continents. Et je voudrais rapidement maintenant évoquer avec vous quelques-uns des chantiers de la gratuité. Et l'ordre de présentation est totalement aléatoire, même si j'ai plus ou moins respecté l'ordre historique d'apparition. Tout d'abord, première forme de gratuité, c'est la gratuité de l'eau élémentaire. Le combat pour défendre l'accès à l'eau potable est l'un des grands enjeux planétaires. Et c'est autour de la question de l'eau que la question des biens communs a été reposée, notamment en Amérique du Sud, mais aussi en Asie et en Afrique. Des milliers de villes expérimentent aujourd'hui dans le monde la gratuité de l'eau élémentaire, selon les recommandations à la fois de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi du Programme des Nations unies pour le développement. L'OMS parle de 40 à 50 litres d'eau gratuite par jour et par personne. Et le Programme des Nations unies pour le développement estime quant à lui la dose de survie à 20 litres. L'Académie de l'eau donne ses propres chiffres, qui sont intéressants parce qu'ils résonnent non pas d'un point de vue individuel, mais en termes de ménage. 100 litres par jour et par personne, 150 litres pour 2 personnes, 180 litres pour 3 personnes, 200 litres pour 4. Quand on parle de gratuité de l'eau élémentaire, il s'agit bien sûr de la gratuité de l'eau, mais aussi des abonnements. Et cette gratuité ne concerne bien sûr que les résidences principales. Il faut se souvenir que l'eau a d'abord été gratuite de l'Antiquité au début du XXe siècle. Et c'est autour du fameux slogan « eau courante à tous les étages », c'est-à-dire au nom du progrès, que l'on a effectivement rendu l'eau marchande. Et cette eau marchande connaît aujourd'hui non seulement un échec sur le plan social, mais également écologique, puisque vous savez que plus de 30% de l'eau qui circule dans les canalisations est perdue et gaspillée. Les grandes firmes s'en moquent, puisque de toute façon, c'est le consommateur final, c'est-à-dire nous, qui payons la facture. Alors l'eau a bien sûr un coût,
Il faut la prélever, il faut la traiter, il faut la stocker, la distribuer, l'évacuer, l'assainir. Le problème aujourd'hui est double. Premier problème, c'est l'augmentation constante du prix de l'eau. Deuxième problème, c'est celui que j'ai évoqué, c'est le caractère anti-écologique, puisque un tiers de l'eau est gaspillée. Donc une centaine de villes en France ont mis en place un système de gratuité pour les premiers mètres cubes, puis une tarification progressive au-delà. Généralement, c'est 30 mètres cubes gratuits par an, puis tarif d'eau dit responsable jusqu'à 120 mètres cubes, puis un autre tarif plus élevé au-delà. Alors la grande conséquence de l'instauration de la gratuité de l'eau élévataire, c'est que la consommation d'eau a baissé. Et ça, on a pu le vérifier aussi bien en France ou dans les autres pays européens qu'en Afrique, qu'en Asie ou en Amérique du Sud. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les gens font attention pour ne pas accéder aux tranches supérieures surfacturées. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on n'instaure pas la gratuité de l'eau élémentaire sans développer des politiques d'accompagnement. C'est-à-dire sans avoir, par exemple, du personnel municipal qui est dédié pour expliquer aux gens pourquoi et comment il faut réduire les pertes à tous les niveaux. C'est-à-dire en faisant des usagers des acteurs du changement. Le passage à la gratuité de l'eau élémentaire, c'est également le pari sur la production locale de l'eau, plutôt que de faire déplacer l'eau sur des distances phénoménales, ce qui renforce bien sûr le risque de perte. C'est aussi le pari du recyclage des eaux grises avec la séparation des urines des autres eaux sales, ce qui est une alternative à l'assainissement classique. C'est-à-dire qu'il va falloir remettre en cause, en France, le principe juridique qui est celui selon lequel on n'utilise l'eau qu'une seule fois. Et ensuite, l'eau est assainie et renvoyée dans la nature. Ce qui, bien sûr, a un coût économique considérable. Il faut prendre exemple sur les pays qui séparent notamment, c'est ce que je viens de vous expliquer, les eaux issues des toilettes et les eaux issues des autres utilisations ménagères. Les pays du Sud sont beaucoup plus en avance. Le droit à l'eau a été reconnu, par exemple en Afrique du Sud, en Colombie, en Équateur, au Panama, en Uruguay. Un exemple, en Afrique du Sud, c'est 25 litres par jour et par personne. Et là aussi, je vous l'ai dit, l'expérience prouve que la gratuité ne suscite pas le gaspillage, bien au contraire. À côté de cette gratuité de l'eau élémentaire, je crois qu'il est également essentiel de s'intéresser à la gratuité des toilettes publiques. Peut-être simplement avant, rappelons que l'Irlande vient de voter le retour à la gratuité de l'eau après une manifestation monstre qui a eu lieu à Dublin. Donc la gratuité des toilettes publiques, une sorte de reconnaissance du droit de miction. Le Conseil de Paris, en 2006, a renoué avec le principe de la gratuité après avoir généralisé les salisettes payantes, les toilettes publiques payantes. 80% de la population est favorable. Et ce combat, on l'a mené avec l'association La Raison du Plus Faible, qui revendiquait depuis longtemps la gratuité des toilettes publiques pour les SDF. Et là aussi, on n'a pas simplement supprimé le tiroir caisse. On a transformé le service. On a repensé les toilettes. Déjà, le fait qu'elles soient ouvertes 24 heures sur 24. Le fait qu'on utilise des matériaux recyclables, qu'on recycle l'eau de pluie. Et donc, on est arrivé à 30% d'économie sur l'eau. Le fait qu'elle soit accessible aux personnes en fauteuil roulant. Le fait qu'elles sont équipées de lave-mains, le fait qu'on a un séchage automatique, le fait qu'elles soient chauffées en hiver, le fait qu'il y ait un porte-manteau, un miroir, etc. C'est-à-dire que systématiquement, on repense
le produit. Conséquence, le taux de fréquentation a triplé, sans qu'il y ait de dégradation. Donc là encore, il n'y a pas de petits et de grands combats. L'essentiel, c'est par rapport au vécu, au quotidien et à l'ordinaire, d'apprendre à poser les bonnes questions. Deuxième front de développement de la gratuité, c'est celui des transports en commun. Là encore, Margaret Thatcher nous disait la chose suivante. Un homme qui prend encore les transports en commun à 25 ans est un homme qui a raté sa vie. Cette idée que les transports en commun seraient pour les pauvres à la vie dure, et c'est un obstacle à la transition écologique, et c'est un obstacle à un service public de qualité. Alors j'ai eu la chance d'être associé avec l'Observatoire de la gratuité à une vingtaine d'expériences de mise en place de la gratuité. Et ces expériences ne sont pas seulement franco-françaises. Et elles ne sont pas réservées aux villes petites et aux villes moyennes. Pendant très longtemps, le grand discours des technocrates, c'était de dire la gratuité, si vraiment vous y tenez, c'est bon pour les petites villes. Mais on ne pourra pas, dans des grandes villes, instaurer la gratuité. Sauf qu'on va le voir, nous avons des villes géantes qui pratiquent aujourd'hui la gratuité. Sauf que, y compris la maire de Paris, a décidé de faire la question de la gratuité un des enjeux des prochaines municipales, et sauf qu'y compris sur Lyon, la question de la gratuité des transports en commun a déjà été annoncée comme un des enjeux des prochaines municipales. 31 villes expérimentent en France la gratuité, dont Châteauroux, Colomiers, Viré, Aubagne, plusieurs capitales international, Tallinn, capitale de l'Estonie, la première à avoir expérimenté la gratuité, suivie par d'autres capitales d'Europe de l'Est, notamment en Lituanie, en Ukraine. Je vous ai dit tout à l'heure que le Luxembourg allait être le premier pays, en tant que tel, à instaurer totalement la gratuité. En Chine, on a y compris une ville de plus de 12 millions d'habitants qui pratique une gratuité conditionnel, c'est-à-dire simplement à certaines heures de la journée, au moment des heures de pointe. Alors cette gratuité des transports en commun, elle peut être inconditionnelle, c'est-à-dire s'appliquer à tout le monde. Moi, c'est ce que je préfère, y compris à ceux qui ne résident pas dans la commune, qui ne payent pas leurs impôts, mais d'autres villes font un choix différent. Je voudrais vous montrer que cette gratuité, elle est bonne, à la fois pour les usagers, pour les personnels et pour la planète. Cette gratuité, elle est déjà bonne pour les usagers, car elle rend effectif la notion de droit au déplacement. Elle est bonne également pour la planète, car elle favorise le développement des transports en commun. On peut prendre l'exemple de la France. La pollution coûte en France chaque année. Là, je prends les chiffres officiels, ceux du gouvernement. La pollution coûte chaque année en France 101,3 milliards d'euros en raison de l'augmentation des dépenses de santé, des pertes dues à l'absentéisme, de la baisse des rendements agricoles. La pollution de l'air a par exemple en France un coût deux fois supérieur au danger que représente le tabac. Les particules fines et l'ozone sont responsables de 42 000 à 45 000 décès prématurés par an. Alors on nous dit la gratuité, ça va coûter très cher. Alors prenons les chiffres. Le coût des embouteillages, coût officiel des embouteillages en France, 17 milliards par an. Plus d'ailleurs que le trou de la sécurité sociale. Le coût de l'embouteillage par personne en France, c'est 934 euros. C'est-à-dire beaucoup plus que ce que représenterait l'instauration du coût de la gratuité, qu'on estime à peu près à 320 euros. Et le coût des embouteillages, 17 milliards par an pour l'instant, devrait passer, d'après les chiffres officiels, à 22 milliards en 2030. L'exemple de la ville d'Aubagne, à côté de Marseille, est une bonne illustration.
Lorsque l'ancienne municipalité avait voulu instaurer la gratuité, une bonne partie de la gauche était contre, la droite était contre, et les chauffeurs bus étaient contre. Puisqu'ils disaient, si c'est gratuit, ça vaut rien, et si ça vaut rien, nous-mêmes, nous ne vaudrons pas grand-chose. Il a déjà fallu débattre avec eux pour expliquer qu'il n'y aurait pas de licenciement, que les contrôleurs allaient être transformés en agents d'ambiance. Parce que c'est pas parce qu'il y aurait la gratuité qu'il n'y aura plus d'incivilité, notamment d'agression sexiste. Et que les interventions de ces agents d'ambiance seraient d'autant plus acceptées que ces ex-contrôleurs n'auraient plus une fonction de flicage. La gratuité à Aubagne, c'était un tiers d'utilisation de la voiture en moins. C'est donc tout bénéfice en termes d'écologie. Mais c'est aussi en même temps 2,5 fois plus de déplacements. C'est-à-dire qu'on a rendu le droit à la ville. On voit aujourd'hui, le mercredi après-midi, aux arrêts de bus, des adolescents qui attendent et qui prennent le premier bus qui passe pour aller se balader. On voit le samedi matin, sur la place centrale d'Aubagne, le jour du marché, la population des quartiers périphériques qu'on ne voyait jamais. C'est-à-dire qu'on a rendu effectif ce droit à la ville. La gratuité des transports en commun s'est traduite, et se traduit d'ailleurs en moyenne dans toutes les expériences, par une hausse de la fréquentation de 50% en moyenne. Il n'y a rien de pire que de voir des transports en commun qui tournent en rond à vide. Et la hausse est plus forte durant les vacances scolaires, les mercredis et les samedis. Et la fréquentation explose l'été avec plus 150%. La gratuité est bonne également pour le personnel. C'est-à-dire, je ne connais pas d'expérience de gratuité qui n'aurait pas, dans un premier temps, provoqué de crainte de la part du personnel. J'étais il y a quelques temps au Luxembourg pour un débat avec la dirigeante de l'organisation syndicale des personnels des services publics des transports qui disait les inquiétudes. Et les inquiétudes du syndicat luxembourgeois des transports, c'est de dire la gratuité va permettre à la droite de déqualifier le service, va permettre à la droite de baisser la qualité, donc à terme de privatiser. Ça, c'est le discours qu'on entend très souvent. Mais là encore, on peut prendre l'exemple des villes où la gratuité a été instaurée, par exemple celle d'Aubagne que je citais. Au bout de 4 ans de gratuité, tous les chauffeurs de bus étaient favorables à la gratuité. Parce qu'ils ont été rendus à leur vrai métier, qui est de conduire, et non pas de fliquer. Et on n'a pas simplement, je vous l'ai dit, supprimé la billetterie. On a transformé les rapports humains à l'intérieur des transports. Déjà en instaurant ce qu'on a appelé la politique du bonjour obligatoire. C'est-à-dire que le chauffeur de bus qui n'avait plus à vendre de ticket ou à fliquer devait obligatoirement dire bonjour à toute personne qui rentrait. Les premiers à avoir répondu systématiquement, c'était les ados. Et les personnes âgées ont suivi un peu plus tard. Et les bus sont devenus des lieux de vie, avec régulièrement des expositions de photographies, avec parfois des spectacles de clowns, de mimes, et des permanences d'éducateurs de rue. Alors toutes les enquêtes montrent que par exemple sur Aubagne, la seule chose dont les gens se plaignent aujourd'hui, c'est qu'il y a davantage de bruit dans les bus. Bah oui, parce qu'ils sont pleins, ils sont bondés, donc effectivement, il y a davantage de vie dans les bus. La gratuité, elle n'aboutit pas à une dégradation du service. Je dirais que ce discours sur le fait que la gratuité provoquerait une dégradation du service, il est ancien. On l'entendait déjà au 19e siècle, lorsqu'on disait « la gratuité de l'école va aboutir à la baisse de la qualité de l'enseignement ». On l'a entendu aussi au moment où on a instauré la sécurité sociale. On disait « si les gens ne payent plus, on aura une baisse de la qualité des soins ». Donc ça, on fait toujours du neuf avec du vieux. Hein. On recycle les vieux arguments.
Il est évident que la gratuité va de pair avec la refonte de l'offre des transports en commun, avec des investissements lourds, avec des choix technologiques, avec, par exemple, pour Lyon, pourquoi pas, l'idée a été lancée, la possibilité d'utiliser les deux fleuves pour développer des transports en commun fluviaux, comme cela se pratique dans d'autres villes et comme cela se pratique déjà d'ailleurs, mais uniquement dans un but commercial. Alors comment financer cette gratuité des transports en commun? Il faut savoir déjà que la part que payent aujourd'hui les usagers est très faible. En France, c'est entre 15 et 25%. Au Luxembourg, c'était 8 à 10%. Autrement dit, le financement est déjà largement assuré par les contribuables, mais aussi par les entreprises, au titre de ce qu'on appelle le versement transport. La gratuité à Aubagne, pour rester sur cet exemple, avait été financée par un doublement du versement transport que payaient les entreprises. Alors je ne vous dis pas que dans un premier temps, le MEDEF était particulièrement satisfait, mais comme on a amélioré la qualité du service, comme on a desservi les zones industrielles et commerciales, comme on a réduit les bouchons, et bien finalement, au bout de quelques années d'expérience, tout le monde était satisfait, à tel point que même après le basculement à droite de la municipalité d'Aubagne, ils n'ont pas pu, pour l'instant, supprimer la gratuité des transports en commun, parce que les gens y sont attachés. Alors, c'est vrai qu'à Aubagne, on a vu une politique particulièrement offensive, puisque ce n'était pas une gratuité honteuse, mais affichée. C'est-à-dire qu'on avait peint en énorme sur tous les bus, liberté, égalité, gratuité. Et ça, je crois que c'est effectivement quelque chose d'important de revendiquer, d'afficher. Il faut savoir que les recettes de la billetterie sont assez souvent, à peu près dans le tiers des cas, inférieures aux frais de perception, en raison des charges de matériel, c'est-à-dire des investissements nécessaires hein, pour vendre, pour composter, pour contrôler, etc. Je dirais que cette gratuité des transports en commun, on doit aussi la penser comme une façon de combattre un contrôle de plus en plus policier et répressif. Et la ville de Lyon est plutôt mal placée dans ce domaine-là, puisque toutes les études montrent que les modalités qui sont celles du contrôle du paiement des abonnements dans les bus et les métros sont particulièrement mal vécues par la population. Puisqu'on a affaire effectivement à des opérations qui ressemblent de plus en plus à des descentes de police. Parfois d'ailleurs avec la présence de police. Donc je crois que là aussi, c'est une façon de réhumaniser la cité. Et c'est particulièrement important. Nous avions lancé l'an dernier, au moment du mouvement de grève à la SNCF, un appel qu'on avait appelé pour un plan B écolo et social pour la SNCF. Et on avait fait 10 propositions, on a reçu le soutien de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Parmi ces propositions, il y avait le développement du fret ferroviaire, il y avait la relance des trains de nuit, sur le modèle de la Suède, de la Norvège notamment, parce que réintroduire les trains de nuit, c'est la seule alternative crédible aux avions sur des distances moyen-courrier. Et puis, on proposait d'instaurer la gratuité des trains express régionaux, déjà dans un premier temps, pour les trajets domicile-travail, ce qui existe d'ailleurs dans de nombreux pays et ce qui existe en France dans la majorité des régions pour les policiers et les militaires. Donc ce qui existe pour les policiers et les militaires lorsqu'ils rentrent chez eux, c'est très bien, mais ça doit être généralisé à l'ensemble de la population. Troisième forme de gratuité, c'est la gratuité des services culturels. André Malraux disait que la culture serait un jour gratuite comme l'est l'instruction. Alors on peut parler dans un premier temps de la gratuité des médiathèques. Les bibliothèques ont d'abord été gratuites au XIXe siècle. Et le passage
à l'abonnement payant a d'abord reposé sur une forme de racisme social. Eugène Morel, qui était le directeur du livre, le disait de façon explicite. La taxe de lecture permet d'éloigner le public indésirable. Fin de citation. Mais malgré la volonté du pouvoir dès les années 50-60 de rendre les bibliothèques payantes, elles resteront majoritairement gratuites jusqu'au début des années 80. Et le prétexte au fait de les rendre payantes, c'était leur transformation en médiathèque, lorsqu'on a développé les CD et les DVD, en disant que ce sont des supports fragiles, donc il est normal que les usagers payent. Il reste cependant encore en France 20% de bibliothèques municipales gratuites sur les 3600 existantes. Et la gratuité des médiathèques est toujours la règle dans les pays anglo-saxons. Cette gratuité des médiathèques a toujours un bilan positif. Déjà parce qu'on a une augmentation du nombre d'abonnés, une augmentation de la fréquentation, on n'a pas plus de dégradation, on n'a pas plus de pertes, pas plus de vols, on a en revanche une amélioration du climat, des relations entre les usagers et le personnel. Et je dirais que ce qui est très intéressant quand on étudie la gratuité des médiathèques, c'est de constater que systématiquement, elles vont conduire à une diminution par personne du nombre d'objets empruntés. Et ça, c'est une sorte de paradoxe, et un paradoxe intéressant. Et on peut le comprendre de la façon suivante. Lorsqu'une médiathèque est payante, chacun est un bon petit consommateur. J'en veux pour mon argent. Si j'ai le droit à emprunter 10 bouquins ou 10 DVD, je prends le maximum. Quitte à ne pas tout lire ou à ne pas tout visionner. C'est une sorte de réflexe. Lorsque la même médiathèque devient gratuite, non seulement, je l'ai dit, une augmentation presque par 2,5 du nombre d'abonnés, mais on diminue de 30 à 40% le nombre d'objets empruntés. Parce que je ne suis plus un consommateur. Je redeviens davantage un usager, maître de mes usages. Je sors de la logique de la consommation. Alors ces médiathèques qui ont instauré la gratuité ont dû également transformer les usages. C'est-à-dire, il a fallu accepter que les gens ne fassent que passer pour consulter le journal, voire pour manger sur place. Et ça a permis qu'un certain nombre de villes instaurent la possibilité d'accueillir à midi, y compris les non-résidents, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le quartier. Donc là encore, on ne supprime pas simplement la billetterie, on transforme le produit. Alors comment finance-t-on la gratuité des bibliothèques? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les recettes représente aujourd'hui moins de 5% des ressources des médiathèques. Ce que nous payons représente moins de 5% de la totalité. Et que les coûts de gestion des abonnements, c'est 60% des sommes perçues. C'est-à-dire, globalement, on paye pour pouvoir contrôler qu'on a payé. Alors, c'est vrai pour les transports, c'est vrai aussi pour les médiathèques. La médiathèque, elle est d'abord financée par la taxe d'habitation que veut précisément supprimer Macron. Et elles sont financées également par la taxe professionnelle. Le coût d'un prêt gratuit, c'est 5 euros, compte tenu de l'augmentation du public. Le coût d'un prêt payant, c'est 6 euros minimum. C'est-à-dire que lorsqu'on raisonne par rapport à l'ensemble de la population, il vaut mieux, du point de vue de l'utilité des ressources publiques, un système gratuit qu'un système payant. Et le coût de fonctionnement par habitant, inscrit ou pas à la bibliothèque, n'augmente que de 80 centimes à au maximum 1,50 euros par an lorsque la bibliothèque est totalement gratuite. La grande crainte aujourd'hui de l'Association des bibliothécaires de France,
qui est par ailleurs favorable à la gratuité. Mais sa grande crainte, ce sont les projets d'avancer vers un système de prêt payant à l'unité. Dire, au lieu d'avoir un abonnement forfaitaire, l'idée qui a germé dans le cerveau de nos technocrates, c'est de dire plus vous empruntez, plus vous devez payer. Alors cette gratuité des services culturels, elle doit être étendue également, comme le prouvent de nombreux exemples, aux ludothèques, y compris aux jeux vidéo. La ville qui s'appelle Le Vigan, par exemple, à côté de Limoges. Et puis il y a d'autres formes de gratuité culturelle sur lesquelles on pourrait réfléchir. Bah, déjà la gratuité des spectacles vivants. Gratuité des spectacles vivants, notamment les arts de la rue. Les arts de la rue sont des spectacles nécessairement gratuits et financés par la collectivité. J'ai participé il y a quelques semaines à l'université Buissonnière, c'est son nom, de la Fédération Nationale des Arts de la Rue, et eux, la gratuité, ils la pratiquent depuis très longtemps. Mais en revanche, il y a des craintes. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une politique austéritaire, on coupe de plus en plus les budgets. Prenez l'exemple sans doute paroxystique de la gratuité des arts de la rue, c'est la ville de Chalon-sur-Saône. Avec effectivement, pendant toute une semaine, des spectacles dans la rue gratuits. Pendant très longtemps, y compris au sein de l'Observatoire international de la gratuité, on disait il y a un domaine où la gratuité ne peut pas s'appliquer. C'est le domaine du théâtre. Et j'ai été invité il y a quelques semaines pour fêter l'anniversaire des 4 ans de la gratuité du théâtre municipal d'Aix-en-Provence. Depuis 4 ans, ce théâtre est totalement gratuit et on a eu une journée de formation avec quasiment tous les directeurs des théâtres en France sur cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'a apporté la gratuité du théâtre municipal d'Aix-en-Provence? Ça a apporté déjà une augmentation de la fréquentation. Et notamment auprès des gens qu'on ne voyait jamais. C'est-à-dire des jeunes et de la population plus défavorisée. Et puis, ça a permis également de créer des rapports différents entre les usagers, le spectacle et les acteurs. Et comme me disait le directeur de ce théâtre, lorsqu'ils vont chercher les artistes à la gare d'Aix-en-Provence et qu'ils leur disent « nous c'est gratuit », dans un premier temps les artistes ont un peu la tête en disant « oula, qu'est-ce que ça va être ?» Et en fait, quand ils voient de quelle manière ça fonctionne, quand ils voient la qualité de l'écoute, la qualité de la participation, des débats qu'on lui a prêts, parce qu'il n'y a pas que le théâtre qui est gratuit, après une petite collation également gratuite, eh bien ils demandent à revenir. Parce qu'effectivement, on a un rapport beaucoup plus actif des usagers. Depuis plusieurs années, au sein de l'Observatoire international de la gratuité, on a un groupe qui réfléchit sur la gratuité du numérique. C'est-à-dire qu'il refuse globalement la loi Adopi. La loi Adopi qui interdit le téléchargement, c'est par définition une mauvaise loi. Une loi qui rend délinquante 99% de la population, c'est pas une loi qui est soutenable. Donc nous proposons d'appliquer au domaine d'Internet le paradigme gratuité du bon usage, renchérissement du mésusage. C'est-à-dire de donner gratuitement à chacun une certaine quantité de bandes passantes correspondant au téléchargement, je dirais, domestique, que chacun et chacune d'entre nous réalise, et de surfacturer pour les gros consommateurs, c'est-à-dire les institutions comme les universités, mais également les entreprises. Et le fait d'instaurer ce système-là permettrait également de repenser la rémunération des créateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a une petite minorité d'artistes surpayés et on a l'immense majorité des créateurs
qui sont obligés de courir les petits boulots pour s'en sortir. Donc ce que l'on propose, c'est le principe qu'on appelle une licence globale, permettant effectivement de surrémunérer dans un premier temps les créateurs, c'est-à-dire au-delà des distributions effectives de leurs produits, puis au fur et à mesure que les ventes augmenteraient, de diminuer la rémunération. Mais je dirais que concernant Internet, la gratuité ne règle pas tout. Vous savez que si on traduit toutes nos activités, le fait de manger, de s'habiller, de se déplacer en équivalent carbone, la Terre ne peut pas digérer chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 7 milliards, c'est-à-dire le double de ce que la Terre peut digérer. Si on prend au sérieux ce maximum de 3 milliards pour 8 milliards d'humains, cela nous donne 400 et quelques kilos d'équivalent carbone par personne et par an. Et c'est égal à quoi, 400 kilos d'équivalent carbone par personne et par an? C'est par exemple un vol en avion Paris-New York. Si je prends une fois l'avion dans la rétinée, il faut arrêter de manger. Mais c'est aussi égal à 6000 km par an en voiture. Et quand je donne ces chiffres, c'est sûrement pas pour culpabiliser quiconque. Pour porter ce discours, je fais chaque année beaucoup plus que 6000 km par an en voiture. Ces chiffres, ils sont là pour nous montrer l'urgence, l'ampleur du changement, mais aussi pour nous montrer que la solution, ça ne peut pas être de faire la même chose en moins. Et ces 400 et quelques kilos d'équivalent carbone par personne et par an, c'est également entre 400 et 500 clics par jour avec notre petite souris sur Internet. J'ai eu la patience de compter le nombre de clics que je fais dans une journée sur Internet, mais je suis certain qu'on dépasse très largement ce maximum. Et là, on n'a pas de réponse toute faite. Il va falloir apprendre à redéfinir des usages parce que c'est une nécessité, tout simplement, pour préserver les écosystèmes. Je vous rappelle que chaque début août, nous dépassons les capacités de régénération de la planète. C'est-à-dire tout ce qui est produit et consommé après début août l'est au détriment des générations futures. Mais début août, c'est une moyenne mondiale. Et comme toute moyenne, ça cache autant que ça révèle. Aux États-Unis, c'est fin février. Tout ce qui est produit et consommé après l'est au détriment des générations futures. En Allemagne, c'est courant avril. Et en France, c'est début mai. Tout ce qui est produit et consommé après l'est au détriment des générations futures. Donc il faut nécessairement repenser notre style de vie. Et il y a peut-être une forme de gratuité qui peut nous y aider. C'est la gratuité des services funéraires. Moi, j'aime particulièrement la gratuité des services funéraires. Je sais qu'il y a au moins une cinquantaine de villes dans lesquelles, aux prochaines élections municipales, ça va être un des thèmes de campagne. Peut-être sur Lyon. J'aime beaucoup cette question de la gratuité des services funéraires parce que regardez comment le capitalisme a évacué la mort. Non seulement aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'être malade, nous n'avons plus le droit de vieillir, à tel point que le mot vieux est devenu une insulte. Il y a encore quelques années, existait en France une association qui s'appelait Association des vieux et vieilles de France. Elle s'est débaptisée et elle est devenue une association de troisième âge, hein. Association de seniors. Mais effectivement, on a un véritable racisme anti-vieux. Donc on n'a plus le droit d'être malade, plus le droit de vieillir, presque plus le droit de mourir. Il faudrait presque se cacher pour mourir. Regardez le sort réservé à nos anciens, notamment dans les EHPAD. Moi je suis convaincu qu'il faut remettre la mort au centre de la vie. Non pas pour être morbide, bien au contraire, pour être pleinement jouisseur. Et puis j'ai l'espoir que si nous remettons la mort au centre de la vie, c'est-à-dire si nous rappelons notre égalité devant la mort, peut-être qu'il y a plus de chances d'être égaux aussi dans la vie. Et puis j'ai aussi l'espoir que si en remettant la mort au centre de la vie, nous prenons pleinement conscience de notre propre finitude,
donc du caractère mortel, nous accepterons peut-être plus facilement la finitude de la planète, c'est-à-dire ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux anthropologiques là-derrière. La gratuité des services funéraires, c'est pas simplement une réponse, ça l'est aussi, à l'urgence sociale. Le coût des services funéraires a augmenté deux fois plus vite que l'indice des prix à la consommation depuis 1998. C'est un sacré marché, il y a un marché sacrément rentable. Lorsqu'on instaure la gratuité des services funéraires, là encore, ce n'est pas simplement pour rendre le service seulement gratuit, c'est pour le repenser. C'est pour le repenser déjà en instaurant des rituels républicains aux côtés des rituels religieux. 67% des Français le souhaitent. Il y avait eu une proposition de loi qui avait été déposée dans ce sens, mais les églises étaient contre et la droite était contre. Et la droite était contre en disant si on instaure des rituels républicains, comme il en existe par exemple pour les baptêmes républicains, et comme c'est la règle pour les mariages, ça va coûter de l'argent, il va falloir chauffer des salles. Il va falloir former du personnel. Et c'est évident que c'est un choix de société qui est là derrière. Donc instaurer des rituels républicains, mais également peut-être repenser l'offre qui existe aujourd'hui. Il y a déjà une première fois dans l'histoire française où on a politisé la question de la mort, c'est lorsqu'on a laïcisé les cimetières. C'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Ce qui a permis d'élargir l'offre. Tant que les cimetières n'étaient pas laïcs, la seule façon de traiter les morts, c'était l'inhumation, puisque les églises étaient contre l'incinération. Aujourd'hui, il n'existe dans le droit français que ces deux modes. Ces deux modes n'ont pas un bon bilan sur le plan écologique. L'inhumation, c'est une quantité extraordinaire de cadavérines qui finit toujours par polluer les nappes phréatiques. Et l'incinération, sachant que nous sommes composés pour l'essentiel d'eau, c'est en moyenne 350 litres de pétrole. D'où des alternatives qui apparaissent. Je vous en cite deux. Une alternative qui nous vient des pays du nord de l'Europe. Très franchement, je ne suis pas certain que culturellement, nous soyons prêts à l'adopter. Ça consiste à plonger le corps dans de l'azote liquide qui le congèle immédiatement. Et ce corps congelé est mis sur une table vibrante qui le réduit en particules, en petites poussières. Le débat a été posé à l'Assemblée nationale en France. La réponse du ministre de l'Intérieur, puisque tout ce qui est funéraire relève du ministre de l'Intérieur, a été de dire juridiquement, pour l'instant en France, c'est pas possible, parce que ça poserait la question de la propriété des petites poussières. Mais on pourrait évoluer. Il y a un deuxième mode alternatif qui se développe à partir de la Belgique. C'est le fait de mettre le corps dans un broyat de copeaux. Et le corps est rendu à la nature au bout d'un an. Je dirais peu importe, l'essentiel, vous voyez, là encore, c'est de se dire, il ne s'agit pas simplement de supprimer le caractère marchand, mais de repenser le produit. Et les villes en France, qui ont adopté une quasi-gratuité, parce qu'il est interdit en France, depuis la loi Sueur, de pratiquer la gratuité totale, donc il y a des villes qui ont instauré un système à 1 euro. Alors attention, cette gratuité des services funéraires, ce n'est pas le retour aux anciennes fosses communes. Et d'ailleurs, on pourrait très vite le généraliser parce que dans les textes juridiques français, ce qu'on appelle le droit commun, la règle de base, c'est le principe de la gratuité des terres communes. Ce qu'on appelle les terres communes, mais qui donnent droit à un espace privé, comme une tombe payante, sur lequel on peut avoir un monument si on le souhaite.
qu'on peut, juridiquement, en France, avancer dans ce domaine-là. Les villes qui vont dans ce sens-là accompagnent aussi, accompagnent en créant des services psychologiques et sociaux, d'aide aux familles. Autre forme de gratuité qui m'est chère, c'est la gratuité, dans un premier temps, de la restauration scolaire. La grande question pour le XXIe siècle, c'est pas de savoir si une fraction de l'humanité va pouvoir coloniser d'autres planètes, mais si on pourra nourrir 8, 9, 10 milliards d'humains. Et j'ai pu montrer avec d'autres que la faim dans le monde est un phénomène d'abord politique, qui s'explique par la destruction des agricultures vivrières, par la privatisation du vivant, par le gaspillage alimentaire. Je vous rappelle que 36% de l'agriculture mondiale est gaspillée. La gratuité de l'alimentation a existé dans l'histoire. Elle a existé d'abord dans la plus lointaine histoire, avec le principe de la ration obligatoire qui existait à Babylone, à Sumer, dans l'Égypte antique. Avec également, rappelez-vous vos cours d'histoire dans le secondaire, lorsqu'on vous parlait de la fameuse maxime romaine sur la gratuité du pain et des jeux. Et d'ailleurs, on vous présentait ça généralement avec un petit côté condescendant, comme aujourd'hui on parle des assistés et de l'assistanat. Lorsque dans la Rome antique on parlait de gratuité du pain, c'était une image. C'était en réalité la gratuité du pain, des légumes, de la viande. Et on a débattu pendant 3 siècles et demi s'il fallait que le vin soit également gratuit. Et les puissants ont dit non, il ne faut quand même pas exagérer. On vous donne déjà l'eau gratuite avec la construction des aqueducs. On ne va pas vous offrir en plus le pinard. Mais il y avait des manifestations de rue pour revendiquer la gratuité. Et ce principe de la gratuité de l'alimentation va durer finalement jusqu'à Charlemagne. Et à ce moment-là, il va être remis en cause pour deux raisons. D'abord, une raison théologique. On va dire, si Dieu le veut, il pourvoira. C'est pas aux puissants d'ouvrir les portes. Et puis, on va aussi, pour des raisons plus liées à l'agriculture, tout simplement ne plus être capable de remplir cet élément-là. La gratuité de la restauration scolaire et sociale, c'est une nécessité, à la fois pour des raisons sociales et écologiques. La malnutrition est une réalité, y compris en France, et ceci dès le plus jeune âge. L'Institut de veille sanitaire a fait une étude récemment sur les personnes qui touchent les colis alimentaires. 10% sont dans un état proche du scorbut. 25% souffrent d'hypertension. 20% des femmes sont anémiées, 56% sont obèses. La population critique en France, sur le plan alimentaire, est entre 3 et 7 millions de personnes. Dans les familles précaires, on dispose de 2,6 euros par jour et par personne pour se nourrir. Alors que le seuil pour pouvoir se nourrir convenablement est de 3,5 euros. C'est-à-dire que même dans une nation riche comme la France, la question de la malnutrition est un enjeu essentiel. Et la grande chance de la France, pourtant, ou de la Belgique, ou de la Suisse, c'est l'importance de la restauration qu'on appelle sociale. C'est-à-dire restauration scolaire, restauration d'entreprise, hospitalière, pénitentiaire, militaire. C'est plus d'un repas sur deux. 53% pour la France. C'est-à-dire qu'avec un peu de volonté politique, il suffirait de modifier le cahier des charges du Code des marchés publics pour pouvoir faire de la restauration sociale un levier extraordinaire pour pouvoir réussir la transition écologique. Et j'étais le week-end dernier aux rencontres nationales des AMAP. On parlait notamment d'élevage et d'alimentation. Une bonne partie de la réflexion a porté sur la nécessité que les AMA s'ouvrent
aujourd'hui au domaine de la restauration sociale et réfléchissent à cette question de la gratuité. Les cantines scolaires, c'est 63% des enfants du primaire et des maternelles, 69% dans les collèges et les lycées. Il faut savoir que le taux de fréquentation augmente avec l'âge et qu'il augmente de façon particulièrement forte avec le niveau d'éducation et social des parents. Donc ce sont les enfants des milieux les plus défavorisés économiquement, culturellement, qui n'accèdent pas à la restauration obligatoire. Le Front populaire avait rendu obligatoire les cantines scolaires, l'État prenant à sa charge la moitié des frais de construction. Aujourd'hui, on a 20 000 communes sur les 36 000 qui disposent d'une restauration scolaire, soit 80% des écoles. C'est 400 millions de repas par an pour un coût de 7 euros facturés et pour un prix des parents qui va de 2,5 euros à davantage selon les tranches fiscales. Il y a un pays sur lequel on pourrait s'inspirer, c'est la Suède. En Suède, depuis 13 ans, tous les enfants de l'âge scolaire bénéficient de la gratuité durant la totalité de leur scolarité. Et ça a eu un excellent bilan sur le plan, bien sûr, nutritionnel, mais aussi sur le plan écologique. Mais là encore, il ne s'agit sûrement pas de rendre gratuite la malbouffe actuelle. Il s'agit d'utiliser la gratuité pour repenser l'alimentation, pour aller vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée concernant la production industrielle, pour une alimentation faite sur place, servie à table. Prenons les chiffres officiels. Le temps moyen d'un repas dans un collège sous forme de cafétéria, c'est 14 minutes. Alors que la norme officielle est d'une demi-heure. En 14 minutes, qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Je fais le plein de nutriments, comme je fais le plein d'essence avec ma voiture. Mais rien d'humain peut se construire. Donc il faut repenser totalement l'alimentation. Et puis, je crois qu'il faut aussi s'inspirer d'exemples qui marchent. Montsartou, une ville à côté de Cannes. La première ville en France à être arrivée à une restauration scolaire 100% bio, locale, depuis 2012. Alors comment ça s'est fait? Ça s'est fait en deux temps. Déjà, il y a eu la création d'une régie municipale scolaire. Ils ont commencé par développer du bio dans un certain nombre de domaines. Ils étaient bloqués à peu près à 60%. Ils n'arrivaient pas à aller au-delà. Et là, coup de génie. Ils se sont dit, mais si on a créé une régie municipale scolaire, pourquoi ne créerait-on pas également une régie municipale fermière? La ville avait des terres, ils en ont acheté en complément. Ils ont installé deux paysannes qui ont pour mission d'approvisionner les écoles, d'approvisionner les résidences troisième âge, et même aujourd'hui, elles fournissent en partie des aliments pour des paniers bio. Et ce qu'on a vu à Montsartou, c'est que non seulement il est possible d'avoir du 100% bio local, mais avec un coût matière plus faible que dans les autres villes. Tout simplement parce qu'on a développé également une politique de lutte contre le gaspillage. Le gaspillage alimentaire dans les cantines est à peu près 40 kg par enfant et par an. À Montsartou, ils ont réduit de 70% les quantités jetées. Et ils sont arrivés par ces politiques-là à avoir effectivement 100% de bio local avec un coût matière plus faible. Donc c'est possible. C'est possible aussi avec des aménagements. Il ne s'agit pas que les fruits et les légumes soient mûrs l'été lorsque les enfants sont en vacances. Donc c'est des cultures sous serre. Mais c'est un choix d'agriculture. Et ça montre que c'est tout à fait possible. Alors comment pourrait-on financer cette gratuité de la restauration scolaire?
Alors, il y a plusieurs projets qui ont été émis. On pourrait déjà instaurer une taxe sur les produits sucrés, sur le modèle de ce qui existe au Danemark. On pourrait également établir une taxe sur les publicités pour les produits trop caloriques. C'est-à-dire qu'on ne manque pas d'idées pour assurer le financement de la gratuité de la restauration scolaire. Mais à terme, ce n'est pas simplement la restauration scolaire qui devrait être gratuite. C'est toute la restauration sociale. C'est-à-dire y compris, comme je disais tout à l'heure, la restauration dans les entreprises. On a également, mais je vais passer pour qu'on ait largement le temps de débattre, on a toute une réflexion sur ce que pourrait être la gratuité de l'énergie élémentaire. C'est-à-dire l'idée de créer un bouclier énergétique avec gratuité des premiers kilowatts et gratuité des abonnements. On a travaillé parallèlement au réseau Négawatt pour voir de quelle manière cela pourrait être mis en œuvre. Alors il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'États, mais y compris certains États fédérés aux États-Unis comme la Californie, qui disposent déjà de dispositifs de ce type, permettant de garantir le droit à l'énergie. Alors c'est forcément assez complexe à mettre en place, puisqu'il faut tenir compte également du climat. C'est-à-dire que cette quantité d'énergie auquel chaque Français devrait avoir droit ne sera pas la même suivant que vous habitez au bord de la Méditerranée ou en Haute-Savoie. Mais je dirais qu'on peut, et il y a eu des propositions faites pour aller dans cette direction. En conclusion, j'aimerais dire qu'il existe en fait deux conceptions de la gratuité. La première conception de la gratuité, c'est une gratuité d'accompagnement du système. La gratuité pour ceux qui ne peuvent pas payer. La gratuité pour les naufragés. Celle des tarifs sociaux. Et cette gratuité-là, elle ne va déjà jamais sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant ? Mais elle ne va jamais non plus sans flicage. Est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi ou un salaud de feignant ? Et puis cette gratuité d'accompagnement, celle des tarifs sociaux, elle n'a jamais permis de repenser les produits et les services, notamment dans le cadre d'une transition écologique. Et puis une deuxième gratuité, c'est la gratuité d'émancipation. Ce qui est beau avec l'école publique, c'est qu'on ne demande pas aux gamins s'il est gosse de pauvre ou gosse de riche. C'est en tant qu'enfant qu'il est admis. Et pourquoi ce qui est vrai pour l'école ne devrait pas l'être pour les autres grands piliers qui nous permettent d'exister ? La santé, c'est encore largement le cas, avec la sécurité sociale. Mais également l'alimentation, le logement. Je parlais de santé. Il y a par exemple l'Institut Curie qui propose la gratuité. Alors non seulement des soins, ça c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais la gratuité des soins esthétiques. Alors au début ça peut surprendre, en se disant c'est du superflu. Mais la gratuité des soins esthétiques, là ça concerne les femmes atteintes de cancer, c'est essentiel pour pouvoir se reconstruire. C'est essentiel pour l'estime de soi. Et l'Institut Curie, en pratiquant depuis plus de 15 ans la gratuité des soins esthétiques, considère que non seulement c'est bon sur le plan humain, mais c'est même bon financièrement, puisque ça fera autant de dépression en moins à soigner, pour le dire de façon rapide. Donc, on n'a pas, dans ce domaine-là, à exclure a priori tel ou tel élément. Alors, je voudrais terminer par l'argument choc traditionnel, qui est de dire ce qui n'a pas de prix, au sens économique, n'a pas de valeur.
Alors déjà, raisonnons sur le plan individuel. Ce qui nous est le plus cher, c'est précisément ce qui n'a pas de valeur marchande. L'amour, l'amitié, nos engagements. Je mets au défi toute personne qui est contre la gratuité de dire qu'elle préfère des amours tarifés au fait de passer sa soirée avec une personne qui l'a choisie et qu'elle a choisi. Donc dans le domaine individuel, ce qui nous est le plus cher, c'est ce qui n'a pas de valeur marchande. Mais également sur le plan collectif. Le fait de marchandiser des choses ne nous rend pas plus responsables. Je citais tout à l'heure le tiers de l'eau gaspillée. Je citais les 36% de l'agriculture mondiale qui est gaspillée. Le fait de payer ne rend pas les gens plus responsables. Ça peut même conduire au fait de penser que puisque j'ai payé, j'ai droit à tout. Je peux faire ce que je veux. On reproche souvent à la gratuité de favoriser une société d'assistanat. Le vrai scandale aujourd'hui, ce ne sont pas les abus de biens sociaux. Le vrai scandale, ce sont les droits sociaux non requis. C'est-à-dire les droits auxquels vous avez donc droit, mais que vous ne demandez pas. 70% des gens qui auraient droit au RSA activité ne le demandent pas. 35% de ceux qui auraient droit au RSA seul ne le demandent pas. C'est-à-dire que l'État ne respecte pas, ne fait pas respecter sa propre légalité dans ce domaine-là. Et puis, j'ai l'espoir que la gratuité puisse être une partie de la réponse à la crise anthropologique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de résoudre la crise sociale, de résoudre la crise écologique, de résoudre la crise politique. Il s'agit véritablement de réfléchir à la conception même de ce qu'est l'existence humaine. Et ne nous cachons pas, le capitalisme, la société d'hyperconsommation, elle nous fait jouir. Il y a de la jouissance à consommer toujours plus. Il y a de la jouissance à aller toujours plus vite ou toujours plus loin. Alors d'accord, c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir, d'emprise. Le toujours plus de richesses économiques, toujours plus de pouvoir sur la nature ou sur les autres. Mais tant qu'on n'aura pas une autre forme de jouissance à lui opposer, on n'y arrivera pas. Et la seule autre forme de jouissance qu'on puisse opposer à la jouissance d'avoir, c'est la jouissance d'être. C'est se souvenir qu'un être humain est d'abord un être social. C'est être du côté de la fabrique de l'humain. Et la gratuité, eh bien, elle campe du côté de cette jouissance d'être. Voilà, je vous remercie. Alors, s'il y aura des questions. Alors, moi, j'ai déjà beaucoup parlé, donc ce ne soit pas forcément question-réponse, hein, quand la parole circule et je réagis. De temps en temps. Tout d'abord, merci pour votre exposé très richement argumenté et très éloquent. Il me parle beaucoup parce que je souhaitais une société de la gratuité il y a quelques années. Aujourd'hui, après quelques lectures et quelques réflexions de nom, j'en suis venu à croire que ce n'était ni souhaitable ni possible. Je vais essayer de vous dire pourquoi de la façon la plus brève possible en commençant par le pourquoi c'est pas souhaitable, parce que je pense que c'est plus important par un argument moral. Vous l'avez rappelé, la gratuité, ça signifie la suppression du prix et pas du coût, donc fondamentalement pas du travail. Et des services gratuits, ça veut aussi dire forcément du travail gratuit. Vous avez beaucoup parlé de différents services faits gratuitement, ce qui est très alléchant. Mais vous avez moins parlé du côté du travail qui était rendu gratuitement. Et un exemple concret de société avec du pain gratuit que vous avez donné, c'était celui de la Mésopotamie et de Rome. Et vous avez semblé dire que c'était les puissants de ces sociétés qui donnaient gratuitement du pain aux pauvres. Sauf que c'est pas les pauvres c'est pas les puissants qui allaient pétrir le pain, c'est pas non plus les puissants qui se donnaient en spectacle dans les arènes. Et ces sociétés-là, il y avait du travail gratuit, effectivement, parce que c'était des sociétés esclavagistes. De façon plus générale, il y a une grande noblesse dans le fait de travailler
gratuitement et de façon désintéressée pour son prochain. Et ça doit être très rassurant de le faire en vivant la sérénité de l'idée que les autres travailleront aussi gratuitement pour nous offrir ce dont on a besoin. Il s'agit fondamentalement de l'idée selon laquelle les choses doivent être organisées selon la règle à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses capacités. Ce qui semble assez naturel, sauf que les capacités et les besoins de chacun, je ne sais pas s'ils sont subjectifs, mais ils sont évalués subjectivement de différentes façons par les uns et les autres. Je veux dire, si j'estime que j'ai besoin de quelque chose et que vous estimez que non, par exemple, si j'estime que j'ai bien besoin d'un peu de mayonnaise avec mes frites et que vous me dites que c'est mal, c'est insensé, c'est mauvais pour moi et c'est mauvais aussi pour, je ne sais pas, la nature, personne ne travaillera gratuitement pour m'offrir ma mayonnaise sur mes frites, et donc je mangerai des frites sans mayonnaise. C'est un cas trivial, mais c'est de façon plus générale. Ce à quoi on va avoir le droit si tout est gratuit sera toujours conditionné par ce qu'on estime dont on a, donc ce dont les autres socialement autour de nous vont estimer dont on a besoin. Et je dis les autres à supposer qu'on vit malgré tout dans une société démocratique. Et idem du côté travail, les capacités de chacun, je veux dire, si j'estime que j'ai besoin de me reposer un peu, mais que les autres estiment que je suis paresseux et que je serais capable de faire plus, ils vont se mettre à me dire, comme en URSS, que je vole le prolétariat par ma paresse. Et on voit le lien entre l'esclavage et la gratuité des pains, du pain à Babylone et à Rome, il ne me semble pas si ténu que ça. Ça c'est pour l'argument moral, j'ai peur que ce soit intrinsèquement paternaliste et autoritaire, et austère. Mais ça je vais austère pour la deuxième raison, pourquoi ce n'est pas possible. Vous avez parlé de supprimer les prix, il est bon de se rappeler à quoi servent les prix. Il y a peut-être d'autres façons de faire, mais ils ne sont pas là simplement pour le plaisir d'instaurer des relations marchandes. Ce sont fondamentalement des signaux qui servent à informer les producteurs et les consommateurs du rapport entre l'offre et la demande, on peut dire. Si, imaginez, une mine de fer ferme quelque part, ou bien un autre endroit dans le monde, on a besoin de refaire un réseau de chemin de fer. Peu importe ces deux raisons, on a besoin de la même chose, c'est-à-dire on a besoin soit de plus de fer, soit que du fer soit moins consommé ailleurs. Et dans ces deux cas, justement, c'est le même phénomène qui se produit, c'est-à-dire que le prix augmente, et ce signal du prix qui augmente a la même conséquence, c'est-à-dire que d'un côté on va se mettre à consommer moins de fer, et de l'autre côté on va se mettre à chercher de nouvelles mines de fer pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc ce que font les prix, c'est... Est-ce qu'ils le font bien? Est-ce qu'on peut le faire mieux? Je ne sais pas. Mais le rôle qu'ils jouent, c'est de coordonner les demandes et les offres de chaque personne individuellement. Si vous supprimez ce système, vous avez besoin de mettre autre chose à la place. Et spontanément, la première chose qu'on va mettre en place, c'est un système planifié, centralisé. Et encore une fois, avec un risque, alors d'une part que ça devienne autoritaire, comme j'ai déjà dit, mais aussi un gros risque que ce soit très inefficace parce que le planificateur risque de ne pas être capable, avec son petit cerveau ou son grand ordinateur, de prendre en compte toutes les informations sur comment vont les mines de fer en Nouvelle-Zélande et comment va le système de chemin de fer en France, par exemple. Voilà les deux raisons pour lesquelles j'ai cessé de souhaiter une société de la gratuité. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite y répondre. Alors, je vais réagir déjà sur le premier plan. Il ne s'agit sûrement pas de raisonner de façon binaire. C'est-à-dire que nous assistons depuis quelques siècles, et sans doute beaucoup plus, à un combat entre deux forces. D'un côté, la force de la marchandisation, et de l'autre côté, la force de la gratuité. La marchandisation actuelle, elle s'est imposée à travers deux grandes étapes. Première étape, ça a été le mouvement des enclosures, sur à peu près 3-4 siècles. C'est-à-dire qu'on a supprimer non simplement les biens collectifs, les terres communes, mais également un certain nombre de droits afférents, comme le droit de la nage, comme la possibilité de ramasser le bois mort, comme le droit de faire paître les animaux. Ça, ça a été ce qu'on appelle la phase d'accumulation primitive du capital. Et le capitalisme est né de cette première victoire contre la gratuité. Deuxième grand mouvement de victoire contre la gratuité,
bien c'est ce qu'on connaît depuis à peu près 30 ans avec la multiplication des brevets, avec la possibilité de s'approprier le vivant, avec la possibilité aujourd'hui de breveter y compris des couleurs qui ne sont pas les couleurs primaires ou des noms propres, etc. Donc on a ce combat de deux géants depuis longtemps. C'est-à-dire que j'entends bien votre discours, je dirais, fondé notamment sur des arguments numéraux. Lorsque vous reprenez effectivement l'idée que le prix est un signal. Mais ça repose sur, je dirais, un mythe qui est celui du marché réunissant les quatre conditions de la concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire notamment l'idée qu'on aurait une intrinsicité du marché dans lequel n'existerait pas d'acteurs capables d'imposer leurs règles. Ce qui n'est pas, me semble-t-il, le cas. Et sur le lointain passé, comment les choses se sont faites? Alors je n'ai pas parlé parce que je dois revenir plus tard dans l'année pour parler d'alimentation. En réalité, je dirais que première culture dans l'histoire de l'humanité, c'est le moment où on a développé la chasse. Parce que la chasse a permis, sur le plan alimentaire, de développer ce qu'on appelle la commensalité, le fait de manger ensemble. Deuxième culture dans l'histoire de l'humanité, c'est lorsqu'une petite minorité, les 1% des hommes, se sont appropriés les stocks alimentaires. Les stocks alimentaires dans le paléolithique, c'est une année en plus de la consommation en cours. Et le grand débat pendant presque deux siècles parmi les préhistoriens, c'est comment les 99% de l'époque ont ils accepté de se laisser dépouiller. Ce concept, c'est que ça s'est fait parallèlement au développement du phénomène religieux. C'est lorsqu'une petite minorité s'est appropriée l'ivresse, qu'à travers le monopole de l'ivresse, ils ont prétendu communiquer avec l'au-delà, ramener des services en échange, qui étaient des nouvelles sur l'au-delà, on leur a remis les clés du coffre. Mais en échange, les puissants avaient l'obligation de nourrir le peuple. Alors, obligation de nourrir le peuple, je veux dire, on mourait moins de faim de façon structurelle dans l'Égypte antique qu'aujourd'hui en Afrique. Il y avait effectivement des périodes de disette absolue. Nous mourait globalement moins de faim. Sur le travail gratuit, mais je dirais que le capitalisme, que vous défendiez, adore le travail gratuit. Je dirais que c'est tout simplement ce qu'on appelle l'extorsion de la plus-value. C'est le travail des femmes. Les femmes travaillent gratuitement à partir de mi-septembre. Et je dirais que les paradis fiscaux, les aides aux entreprises, c'est des formes de gratuité qu'on leur donne. La question, c'est de savoir, on veut de la gratuité pour qui? Et pour faire quoi? Et je suis convaincu que même si vous ne croyez plus à une civilisation de la gratuité, vous n'êtes peut-être pas pour supprimer la gratuité de l'école. Mais, éventuellement, ouais, j'ai eu il n'y a pas longtemps, face à face, sur France Culture, avec un de nos grands économistes, qui me disait, oui, d'accord, gratuité pour l'école élémentaire. Mais à partir de la sixième, oui, il faut qu'elle devienne payante. Mais je dirais, le pape du libéralisme à la française nous disait, mais c'est quand même scandaleux que les gens peuvent se balader gratuitement dans la rue. Les rues devraient être aussi des propriétés, comme le sont les autoroutes. Lorsque vous allez sortir ce soir, vous serez éclairé gratuitement par la ville. Donc la gratuité n'a pas disparu. La question c'est, pensons possible, souhaitable, de développer et d'étendre cette sphère de la gratuité. Et par rapport à l'Union soviétique, au stalinisme, le stalinisme n'est pas mort d'avoir généralisé la gratuité. Loin s'en faut. C'est-à-dire qu'on avait au contraire, il suffit d'ailleurs de regarder les slogans qui étaient ceux de l'époque, c'est vraiment, non pas, comme vous l'avez rappelé, de chacun selon ses besoins, mais selon son boulot, selon son travail. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait tort de raisonner globalement. Tout gratuit ou rien gratuit. Ce qu'il faut, c'est cas par cas, se dire, est-ce que la gratuité des transports en commun, est-ce que la gratuité de l'eau vitale, est-ce que la gratuité des services funéraires apporte effectivement un mieux en termes sociaux, en termes de transition écologique, et j'ajouterais
en termes d'implication citoyenne. Pour être très franc, le bilan social de la gratuité est bon, davantage d'égalité sociale. Le bilan écologique de la gratuité est bon, le bilan politique n'est pas bon. C'est-à-dire que quand on instaure la gratuité d'une médiathèque, on crée un collectif d'usagers. Ces collectifs d'usagers, c'est un peu comme les comités de quartier. Ça va fonctionner bien 6 mois, puis ça va décliner. Alors ça, c'est particulièrement vrai dans les pays européens. Nos amis en Afrique, en Amérique latine, nous disent non, il y a des formes de gestion communautaire, villageoise, qui font qu'il y a une implication. Nous, on n'y arrive pas. Nous, on n'y arrive pas, on ne sait pas. Et je dirais que, très franchement, je ne vois pas, et ça existe peut-être, mais je ne vois pas, d'après tout ce qui remonte à l'observatoire, de forme de gratuité qui serait, je dirais, qui permettrait aujourd'hui en France cette démocratie des usagers. Alors, sur la définition des besoins, je crois que précisément la gratuité aurait 3 avantages. Premier avantage, sans aucun doute, c'est déjà effectivement de commencer à démonétariser la société, de la déséconomiser. L'économiste, maintenant, cette idée que plus serait forcément égal à mieux. Et puis, de commencer à passer d'une définition individuelle des besoins, votre mayonnaise, à une définition collective des besoins. De miser sur l'intelligence collective. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas, de toute façon, on n'est pas prêt d'en finir avec le capitalisme. Il restera longuement un secteur marchand dans lequel vous pourrez vous acheter votre mayonnaise. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'on va faire une période de au moins de dualité, des pluralités de système économique. Et que ce que j'espère, c'est que le système post-capitaliste, peu importe comment on l'appelle, fondé notamment sur la gratuité, prendra de plus en plus d'importance. Mais on a souvent parlé de ça aujourd'hui, personne n'a rien à ça. Je voulais revenir sur 2 sujets, faire un commentaire sur la question du petit village de Cannes, qui, dont les cantines sont alimentées à 100% en bio et en local, et sur la question de l'incompatibilité peut-être entre les 2 visions de la gratuité, celle qui serait la gratuité d'émancipation plus pure et, plus, et l'autre plus par défaut, plus des tarifs sociaux. Et je le fais parce que je fais partie d'un projet qui s'appelle Villeurbanne Oasis Démocratique et qui a vocation à jouer un rôle d'ici un an aux élections municipales de 2020. Et concernant la question de l'alimentation, on a ici une cuisine centrale à Villeurbanne qui élabore 1 million de repas annuellement. Donc c'est une bonne quantité pour les écoles et pour un peu d'autres endroits aussi. Mais par contre, on n'a pas tellement de terres agricoles. Mais je voudrais juste partager l'idée qu'on pourrait très bien avoir des accords avec d'autres mairies de petits villages dans les alentours, à 50-100 km aux alentours, et réussir à acheter des terres, occuper des terres, et produire, et installer des paysans, des gens qui, comme moi, pourraient très volontiers partir et s'installer pas loin d'ici, et produire pour la cuisine centrale et pour les petits-enfants urbains. Donc ça, c'est une chose, et à mon avis, il faut que ça devienne un sujet pour notre cas particulier. Et le deuxième, c'est entre les deux visions de gratuité. En fait, j'ai ce débat aussi entre le salaire à vie et le revenu de base. Il y a un peu des puristes du salaire à vie qui disent que c'est 2 choses complètement différentes et le salaire à vie, c'est forcément, ça n'a rien à voir, donc c'est soit ça, soit rien. Et moi, j'essaie de défendre une vision un peu intermédiaire. Et très concrètement, la question c'est, dans le cas du transport, s'il y a un maire de Villeurbanne qui arrive et qui dit je veux la gratuité du transport, il n'a pas la possibilité de le faire parce que c'est le Citral qui va décider de. Enfin, etc. Qui a d'ailleurs lancé une enquête sur la possibilité de gratuité qui va nous dire à rien qu'on va parler. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Et très concrètement, on peut imaginer des solutions, mais c'est toujours un peu de. Je ne sais pas comment on peut dire, c'est un peu de. Tout ce qu'on va obtenir, c'est généraliser un peu les tarifs sociaux. C'est ça qu'on pourrait obtenir peut-être par l'initiative municipale dans le cadre d'une métropole qui n'irait pas dans le sens de la gratuité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous rejoins déjà complètement sur le fait qu'il ne faut surtout pas opposer a priori les partisans du revenu universel, du salaire à vie et de la gratuité. Je me rappelle d'un débat qui avait été organisé lors d'une université d'été entre Bernard Friot et moi, et globalement, je l'ai dit à Bernard, mais je n'imagine pas qu'il puisse être contre la gratuité de l'école, des transports, de l'eau alimentaire, et bien sûr, on se rejoignait
on y est totalement. Donc méfions-nous effectivement des puristes dans chaque domaine. Sur la possibilité sur la métropole de passer à la gratuité des transports en commun. Donc je parle effectivement sur le Citral. C'est un grand combat à mener, mais un combat certain. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'éventuellement Lyon bascule. Il ne suffirait même pas que Villeurbanne suive. Il faudrait que d'autres communes aillent dans le même sens. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, j'ai lancé un appel pour constituer sous des formes multiples, ça c'est pas mon problème, des listes citoyennes qui, dans l'agglomération lyonnaise, porteraient ce projet de gratuité des transports en commun. Et puis je crois qu'il faut que les listes qui soient favorables à la gratuité aient en quelque sorte aussi une roue de secours. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formes de gratuité qu'on pourra développer si on n'arrive pas, si on choisit, après tout, on n'est pas obligé de mettre non plus la gratuité du transport en premier. Mais si on choisit effectivement de la mettre quand même en premier, vous parliez de la restauration scolaire, ça serait effectivement une belle idée, ou des services funéraires. Et la possibilité de passer des partenariats avec des communes rurales environnantes, oui, c'est déjà des choses qui se font. Et il n'y a pas de raison de ne pas le généraliser. Et là, on voit que c'est très intéressant, parce que ça nous permet aussi de développer une agriculture paysanne, c'est-à-dire échappant aux logiques industrielles, productivistes qui sont les nôtres. Et comme on a un marché quand même de 53% de la restauration, d'avoir un sacré levier pour réussir, je dirais, une nouvelle politique agricole. Donc on n'est pas du tout démunis, et c'est vrai qu'actuellement, il y a un foisonnement d'initiatives, je ne connaissais pas celle-là sur Véran, il y a un foisonnement d'initiatives pour porter des projets autour de la gratuité en 2020. Et ce n'est pas seulement franco-français. La question va juste terminer, c'est, vous avez plein d'exemples de réalisation, enfin d'initiatives très intéressantes, avec des retours d'expérience chiffrés qui sont super intéressants, qui sont des arguments pour les nouvelles expérimentations. Pour l'instant, c'est très local, sur les échelles municipales. Bon, déjà, au niveau métropole, ça c'est très frais. La question, c'est comment on pérennise ces résultats-là par les taubagnes, la menace de la droite qui va, du coup, comment on fait pour constitutionnaliser ces choses-là, pour les inscrire dans le marbre, tant que ce n'est pas à des échelles nationales. Mais moi, je ne pose pas les deux niveaux. C'est-à-dire que je crois, oui, non, mais tu as bien compris, je ne veux pas qu'il faut qu'on avance sur nos deux jambes. Peut-être, c'était l'avis majoritaire d'Alternativa, à Bayonne en décembre, qui est de dire peut-être que les territoires, donc les territoires locaux, sont le bon espace pour au moins commencer la transition écologique. À un moment donné, il faudra une traduction politique. Faudra une traduction, y compris constitutionnelle. C'est évident. Mais tout ça, ça se construit. Ça se construit dans un rapport de force. À la fois, je dirais, politique, culturelle. Mais, je le vois très bien dans les villes qui ont commencé ces premiers pas, les plus durs. Les villes qui ont commencé à instaurer la gratuité de l'eau élémentaire réfléchissent toujours après à une autre forme de gratuité. On crée une dynamique de rupture, de changement. Où est-ce que ça nous conduira? Et franchement, j'en sais rien. Qui est capable aujourd'hui de dire quelle sera la situation planétaire dans 30 ou 40 ans? Mais on a effectivement la capacité d'enclencher des dynamiques de rupture, et puis je dirais aussi de susciter du désir. Il y a deux façons de faire la politique. Soit on mise sur les pauvres, la porte pour soi, pour ses enfants, il y a souvent on alimente la xénophobie et l'extrême droite. Soit on mise sur l'espoir. Et à ce moment-là, on peut effectivement développer des politiques d'émancipation. Donc, le philosophe Gilles Deleuze disait « Seul le désir est révolutionnaire. » La gratuité est du côté du désir. Le problème, c'est que d'une manière générale, la gratuité est aujourd'hui en débat au sein de l'ensemble des forces politiques, je dirais des gauches et de l'écologie, mais est foncièrement majoritaire nulle part. Donc, dans beaucoup de mouvements des gauches, dire, nous on veut la gratuité de la cantine scolaire,
On veut la gratuité de l'université, on veut étendre le principe de sécurité sociale, etc. Mais on manque encore effectivement, je dirais, d'une réflexion suffisante globale, tout l'intérêt de l'appel qu'on a lancé, qui a été signé, mais pour l'instant ça ne se traduit pas encore. Et c'est pour ça que moi je crois aussi qu'autour de cette question de la gratuité, il est possible de fédérer beaucoup de... C'est pour ça que je parlais de liste citoyenne. Je voulais attirer l'attention sur le fait que la faisabilité de cet objectif, la gratuité, ne peut pas faire l'économie de la seule qui est la mentalité, l'idéologie dominante. Là, c'est en partie l'idéologie de mentalité. Vous avez souligné que, depuis un moment déjà, la consommation a tendance à être un marqueur social dans le sens où plus on consomme, mieux c'est. On sait bien que maintenant, il y a déjà un moment que c'est idiot et qu'il faut aller, sinon à l'inverse, du moins arrêter ça comme un objectif. Mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe parce que la mentalité sur ce point-là, on peut en plus changer. Donc, c'est un combat, je dirais, intellectuel, hein, que ce type d'attitude puisse devenir majoritaire dans la population. Hein, que la consommation, c'est pas forcément quelque chose d'absolument horrible, mais au point d'en arriver de gaspillage, c'est une absurdité évidente. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas parlé, là, c'est qu'il y a quelque chose qui pousse dans ce sens et qui est un impôt privé. C'est la publicité. La publicité qui évidemment pousse dans le mauvais sens la plupart des cas. En plus, hein, c'est un détournement d'argent à l'égal d'un impôt, mais géré de façon privée. Et à un niveau, d'ailleurs, je veux bien connaître le niveau, mais par rapport à la TVA, je pense qu'il n'est pas non plus négligeable en volume. Je veux dire. Donc, mettre sur le tapis l'utilité et l'élimination éventuelle de la publicité, là, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a beaucoup de craintes. Moi, je suis vraiment pour qu'on inverse la règle concernant la publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le droit de faire de la publicité partout, sauf dans certains lieux. C'est-à-dire à proximité immédiate des écoles, à proximité immédiate de monuments historiques. Moi, je suis pour qu'on dise qu'on ne peut pas faire de la publicité, sauf pour vraiment ceux qui tiennent dans quelques endroits. C'est-à-dire qu'on inverse déjà la règle. Ça me semble effectivement un bon principe. Et puis, moi, j'ai toujours envie qu'on relance le mouvement pour une rentrée sans marque. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on ne veut pas de pub, notamment dans les écoles. Ni de pub officielle, ni de pub déguisée avec le marketing scolaire. La question que vous posez, c'est une question essentielle. C'est-à-dire, effectivement, comment une autre culture peut-elle advenir dans la société? Je crois qu'il y a deux points de vue différents, mais je dirais que chacun fait ensuite à partir de ses convictions. Pierre Rabhi parle de l'insurrection des consciences. Il considère que ce qu'il faut, c'est d'abord changer la mentalité pour que les actes suivent. Moi, j'ai un point de vue opposé. Je parle d'insurrection, non pas des consciences, mais des existences. Et je me dis, si nous avons des styles de vie différents, des façons d'être différents, la mentalité suivra. Et je dirais, allons-y, chacun commence à partir de sa propre grille de lecture, idéaliste ou matérialiste, pour utiliser un jargon philosophique, mais allons dans le même sens. Allons dans le même sens. Oui, il faut passer de cette jouissance d'avoir à la jouissance d'être. Mais on ne va pas le faire, pour moi, à travers des grands discours, même si c'est toujours sympathique. On va le faire en organisant, en inventant des styles de vie, des modes de vie différents. Et ce nous apprend le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement contradictoire. Il est le symptôme aussi du fait qu'une partie de la population a le sentiment que ces façons de vivre, ces styles de vie,
ne sont pas reconnus. Nous acceptons trop la définition que les riches ont des gens ordinaires. Une définition toujours en termes négatifs. En économie, le manque de pouvoir d'achat. En éducation, le manque de culture. En psychologie, le manque d'estime de soi. En politique, le manque de participation. Tout ça, c'est peut-être en partie vrai, mais ça reste l'essentiel. Les gens ordinaires, ce ne sont pas des riches auxquels vous manquerez de l'argent. Ça, c'est ce que les riches ont envie de croire. Parce qu'ils n'imaginent pas d'autres styles de vie, d'autres façons de vivre. Et toutes les études montrent que les gens ordinaires ont d'autres rapports au travail, d'autres rapports à la consommation, à l'espace, à la nature, au temps, au vieillissement, à la maladie, à la mort, donc à la vie. Sauf que ces autres styles de vie, le système les rend invisibles. Le système médiatique, le système publicitaire et autres. Et donc ce qu'il faut, c'est miser sur ces autres styles de vie, avec l'espoir de les rendre visibles, et que demain, ils deviennent dominants. Et franchement, est-ce qu'on y arrivera? J'en sais rien. Dire optimisme ou pessimisme, ça dépend des matins. Hein. D'accord. Les forces obscures s'accumulent. Et on sait globalement que si d'ici 3 décennies, au maximum, on n'a pas inversé fondamentalement les logiques, on sera dans le mieux. Totalement. C'est-à-dire que là, ça sera vraiment le scénario le plus catastrophique en matière notamment climatique. Et pas seulement climatique, hein. C'est pas que le climat, mais aussi les crises de la biodiversité. Oui, bonsoir. Alors, contrairement à un certain nombre de gens qui ont déjà posé des questions, il y a d'autres personnes sans doute dans la salle, moi j'étais complètement innocent, vierge par rapport à ce sujet. Je ne connaissais absolument pas, donc j'ai appris des tas de choses ce soir. J'ai retenu certains exemples ici qui paraissent effectivement très intéressants. J'ai parlé entre autres, par exemple, de la gratuité de la restauration scolaire. Donc c'est intéressant, effectivement, on peut, en modifiant certaines pratiques, laisser le prix attendre cette restauration gratuite. Ceci dit, ce qui me gêne un peu, c'est que quand on parle de gratuité, ça sera gratuit pour les utilisateurs, mais ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien. Et je crois qu'il faut faire attention dans votre présentation à cet aspect-là. Pour un autre exemple que vous avez dit, en sortant, vous serez éclairé. Et ça sera gratuit. Vous ne payerez pas. Eh bien, vous ne payerez pas parce que vous n'habitez pas en urbaine. Mais les gens qui habitent l'urbaine, ils payent l'électricité au travers de l'impôt. Vous avez parlé de l'hôpital gratuit. L'hôpital est gratuit. Parce que l'hôpital n'est pas gratuit. On ne paye pas. Mais j'ai commencé justement ma conférence en exposant ça. C'est-à-dire que quand on parle de gratuit, c'est une gratuité économiquement construite. Ben, l'école publique gratuite est payée par nos impôts. On est bien d'accord. Simplement, ce que je dis, c'est. Enfin, moi, ne connaissant pas le sujet, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Je le dis à un moment. Je pense que les gens qui ne connaissent pas ce sujet peuvent le ressentir comme ça. La deuxième, ensuite, j'ai une question. Il y a quand même visiblement un gros écart entre la société telle que vous la rêvez, telle que vous la préconisez, et la société telle qu'elle est aujourd'hui. Combien de temps, à votre avis, faudrait-il pour arriver à convaincre tout le monde d'aller dans ce sens-là, pour aller vers cette société? Je vous pose cette question parce que actuellement, on le sait, il y a des gilets jaunes qui manifestent tous les jours, enfin tous les samedis dans la rue, parce qu'ils n'ont pas pour manger à la fin du mois. Et eux, ce qu'ils recherchent, c'est une solution immédiate. Alors, sur le plan, je dirais, économique, non seulement il faut toujours affirmer effectivement que la gratuité, c'est le produit débarrassé du prix, mais pas du coût, mais moi, je suis tout à fait favorable à ce que l'on donne systématiquement le coût. Ce qui ne va pas de soi. Il y a un certain nombre d'années, une de mes enfants avait été hospitalisée en chirurgie néonatale pendant presque 3 mois. Et j'ai dû me battre pour qu'on me donne le coût de l'hospitalisation. Et je dirais qu'il est évident
que sauf si vous faites partie des 1% les plus fortunés, personne dans la salle ne pourrait payer une hospitalisation de 3 mois en chirurgie néonatale. C'est évident. Donc moi, je pense que la gratuité, ça ne s'oppose absolument pas au fait de dire ça coûte tant, mais c'est pris en charge par la collectivité. Et ce débat sur la gratuité ne fait que prolonger le débat qui était celui du Conseil national de la résistance sur la sécurité sociale. Lorsqu'on instaure la sécurité sociale, ce n'était pas pour en faire ce qu'elle est devenue. C'est plus que rien d'une roue de secours face aux accidents de la vie. La sécurité sociale, pour ses fondateurs, c'était sécurité sociale en matière médicale, c'était sécurité sociale en matière de logement, et c'était sécurité sociale en matière de vêtements, parce qu'à l'époque c'était un problème essentiel, et en matière d'alimentation. Donner à chacun de quoi vivre, même sans emploi. Et donc avec un jargon différent, ça reprend effectivement le même combat. À quelle vitesse cela peut-il se réaliser? Et très franchement, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que si vous avez dit en 1788 que un an après, il y aurait la prise de la Bastille, que deux, trois ans après, il y aurait 92-93, les gens ne vous auraient pas cru. Donc il y a des accélérations dans l'histoire. Moi, ce qui m'apparaît essentiel, c'est de multiplier aujourd'hui ces îlots de gratuité, ces thibauts de gratuité, avec l'espoir qu'ensuite ça devienne des archipels, puis des continents. À quel rythme, j'en sais rien. Et je dirais que bah, c'est les gens qui choisiront. Est-ce que ça correspond à un désir? Alors là, je crois que c'est intéressant de regarder un peu la culture des gens. Je dirais que l'un des attraits d'Internet, c'est qu'Internet a généralisé, pour le meilleur et pour le pire, mais ces systèmes d'échange gratuit, de téléchargement. Donc la question de la gratuité fait partie de la culture. Il y a des gratuités naturelles aussi auxquelles on ne pense pas. Je ne parle pas simplement, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'amour, l'amitié, de la procréation, mais des gratuités naturelles, la transmission de la langue. La langue qui nous utilise, c'est une sacrée richesse. Mais elle nous a été donnée gratuitement. Autre gratuité naturelle, menacée, c'est l'air pur. Il y a quelques années, rappelez-vous, le grand mouvement social aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, au moment des grèves aux Antilles, les poètes antillais avaient lancé un manifeste pour la gratuité des produits de haute nécessité. Et la gratuité des produits de haute nécessité, pour mes amis antillais, c'était bien sûr le droit à l'alimentation, le droit à l'eau, le droit au logement et le droit au beau. C'est une conception non misérabiliste. Et je crois qu'ils sont dans le vrai. Et ce combat pour la gratuité, il est polycentrique, il est polymorphe. Il surgit un peu partout. Une des premières choses à faire, ça serait de prendre conscience de tout ce qui subsiste de gratuit. Il y a des municipalités qui l'ont fait. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Gratuit au sens.